Bonjour à toutes et à tous. L'équipe Écopolis est ravie de vous retrouver en ligne. Je m'appelle Julia Malin-Vernot, je suis responsable du pôle accompagnement de projet chez Écopolis. Écopolis, on est le pôle de ressources francilien pour la construction et l'aménagement durable. On a pour mission d'encourager le développement durable et le changement de pratique pour un monde plus soutenable auprès des professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Nous sommes réunis ce matin pour un nouveau format d'événement qui est dédié à des retours d'expérience opérationnelle. On les a appelés les petits déjeuners techniques. Le concept est simple. En une heure, écoutez nos experts invités, participez aux échanges et repartez avec des réponses à vos questions et des solutions. Le premier cycle de 3 dates a pour thème « Zéro déchet, 100% ressources » et on va parler de la prévention et de la valorisation des ressources et des déchets du bâtiment. Avant toute chose, nous souhaitons remercier vivement les partenaires financeurs de nos actions relatives à l'économie circulaire, à savoir l'ADEME Île-de-France, la DRIEAT, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. Ce matin, particulièrement, nous parlerons des différences entre deux diagnostics que nous voyons se généraliser dans les pratiques, mais dont les contenus et les spécificités ne sont pas toujours très clairs, à savoir le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux et déchets, et le diagnostic ressources. Pour nous éclairer, ce matin sont à mes côtés 4 expertes que je vais laisser se présenter. On va commencer par vous, Camille. Bonjour, je suis Camille Bruno. Je voudrais déjà vous remercier de nous recevoir aujourd'hui. Je travaille pour la région Île-de-France au sein de la direction des opérations du pôle lycée, où nous sommes chargés de construire et rénover tous les lycées d'Île-de-France. Je travaille en particulier sur les questions liées à l'environnement. Bonjour à tous, moi je m'appelle Colline Blaison et je suis partie des cofondateurs de Cycle Up et aujourd'hui j'occupe le poste de direction de la partie conseil et études. Ajar. Bonjour à tous et à toutes, je suis Ajar Bouraski, je suis architecte et chef de projet en économie circulaire chez Cycle Up. Et je suis responsable concours également. Bonjour à tous et à toutes, Flavia Rigaud de Mobus Réemploi. Merci à toutes les 4 d'être parmi nous ce matin. Vous avez donc travaillé ensemble sur un accord cadre et vous allez nous partager votre retour d'expérience issu de la démarche d'économie circulaire donc mise en place sur le pôle lycée de la région Île-de-France. Cher public, 2 temps de réponse à vos questions sont prévus ce matin, donc n'hésitez pas à les inscrire et à les écrire dans le chat sur la droite de votre écran. Tout au long des présentations, nous les relayerons à nos intervenantes. Sans plus attendre, je laisse la parole à Camille et Colline pour commencer nos échanges. Merci de nous permettre de présenter notre démarche aujourd'hui dans le cadre de votre premier petit déjeuner d'Écopolis. Je voudrais remercier aussi nos prestataires Cycle Up et Mobus d'être parmi vous et d'avoir accepté de partager la parole avec moi pour présenter cet accord cadre. Notre présentation va se diviser en 3 parties. Dans une première partie, Colline va nous présenter le contexte et les définitions liées à l'économie circulaire. Elle présentera un focus sur l'économie circulaire dans le BTP, puis le cadre réglementaire. Et enfin, elle fera une présentation des différences entre les différents types de diagnostics, notamment le diagnostic ressources et le diagnostic PEMD. Dans une seconde partie, j'interviendrai pour vous présenter spécifiquement notre AMO réemploi, notre accord cadre, avec une présentation rapide du montage, de la démarche, les missions du marché. Je vous ferai une présentation des différents diagnostics au cours de l'opération de travaux et je finirai par les aspects juridiques. Dans une troisième partie, Ajar et Flavie vous présenteront 2 projets, Cycle Up. Donc Ajar vous présentera la CMR de Paul Valéry à Paris et Flavie vous présentera le campus de Coulommiers. Je laisse la parole à Colline pour la première partie. Merci beaucoup Camille. Alors on va commencer par parler des définitions pour qu'on soit sûr d'avoir le même vocabulaire. Ce n'est pas toujours évident pour les novices du sujet. Donc, on parle beaucoup de réemploi autour de nous depuis quelques années. En fait, quand on parle de réemploi, on parle très souvent de réemploi et de réutilisation. La différence entre les deux, elle est très simple. Vous avez sur l'écran un exemple sur les portes. Quand on réemploie une porte en tant que porte, c'est du réemploi puisqu'on garde l'usage fonctionnel de la porte.
En revanche, on va réutiliser la porte quand on va transformer l'usage initial de la porte. Et donc là, en l'occurrence, on vous présente la façade du pavillon circulaire qui a été conçue par Encore Heureux. Et donc, cette façade est faite avec les portes palières qui venaient d'un bâtiment de la RIVP, qui est un des bailleurs sociaux de la ville de Paris. Et donc là, vous voyez bien que l'usage de la porte, la porte n'est plus utilisée en tant que porte, mais en tant que façade. Et ensuite, on a le troisième niveau, qui est le niveau de recyclage. Et donc là, la porte est devenue un déchet. Ça devient ensuite une matière première secondaire après un broyage, et on en fait, par exemple, des panneaux bois agglomérés. Donc, aujourd'hui, quand on parle de réemploi, on parle de réemploi et de réutilisation, et le recyclage est un troisième niveau qui est moins valorisant que le réemploi et la réutilisation, puisque c'est le niveau où le matériau est un déchet. On peut avancer. Qu'est-ce que l'économie circulaire ? C'est aussi important de rappeler ce sujet-là. Vous connaissez le cycle linéaire du bâtiment entre la construction d'un bâtiment où on va extraire les matières premières dans une usine, fabriquer les matériaux, construire le bâtiment, puis l'exploiter, le démolir et enfin traiter l'ensemble des matériaux qui composaient le bâtiment en tant que déchets dans les différentes filières. L'idée, c'est de développer deux boucles de circularité. Donc, la première boucle qui existe quand même depuis quelques années, c'est la boucle de recyclage que vous voyez en vert, où on va trier les différents éléments pour les orienter vers de meilleures filières et les réintégrer dans un processus de fabrication. Et la boucle en jaune, c'est la boucle de réemploi et de réutilisation. Donc nous, on a l'ambition de pousser. Et donc pour améliorer et pour développer le réemploi et la réutilisation dans la construction actuelle, ça passe notamment par ce fameux diagnostic qu'on appelle diagnostic ressources, et qui aujourd'hui se rapproche du diagnostic PEMD qu'on a évoqué juste avant. Et donc l'objectif, c'est bien de développer cette boucle de réemploi et réutilisation. Et cette approche va aussi permettre de développer la boucle de recyclage, parce qu'on caractérisera aussi mieux les matériaux. Il y a l'ADEME qui a une très bonne définition de ce qu'est l'économie circulaire. Donc je me suis permise de vous la remettre ici. Elle peut se définir comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens ou services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Je ne la connais pas par cœur, elle est assez longue, mais l'idée, c'est que vous ayez bien en tête que l'économie circulaire, ce n'est pas non plus que la gestion des ressources, c'est aussi un impact sur la consommation énergétique, la consommation d'eau, la consommation du bâtiment, la consommation des surfaces où sont construits le bâtiment. Donc on parle beaucoup de réemploi dans l'économie circulaire, mais ce n'est pas seulement le réemploi. En ce qui concerne le cadre réglementaire au sujet de ce diagnostic en particulier, vous savez que depuis mars 2012, il y a un diagnostic d'échec qui est obligatoire à partir du moment où on déconstruit plus de 1000 m² de surface de plancher ou que le bâtiment a hébergé par le passé une ou plusieurs substances dangereuses. Donc c'est important d'avoir en tête que même si votre bâtiment fait 100 m², mais qu'il y a une cuve à fumée sur le terrain, et ben vous êtes soumis au diagnostic déchets depuis 2012. Alors, le constat qui a été fait, c'est que malheureusement, il y avait seulement 10% des diagnostics obligatoires qui étaient effectivement réalisés. Donc on avait très peu d'informations sur le contenu des bâtiments, et ça ne permettait pas derrière d'optimiser la gestion des déchets issus des déconstructions et encore moins des rénovations. Donc pour pallier à ce problème-là, dans le cadre de la loi économie circulaire, qu'on appelle aussi loi AGEC, qui a été promulguée le 10 février 2020, excusez-moi, il manque la date, l'année. Donc cette loi, elle a plusieurs objectifs. Un des objectifs principaux est de diminuer les décharges sauvages, puisque aujourd'hui il existe
malheureusement sur le territoire français de nombreuses décharges sauvages et c'est compliqué d'identifier les responsables de ces démarches et donc d'avoir les moyens, notamment pécuniers, pour les supprimer et nettoyer les espaces. Donc comment faire pour diminuer les décharges sauvages, c'est un des premiers objectifs de la loi économie circulaire. Un deuxième qui est de faciliter le réemploi et le recyclage. Et puis un troisième qui est d'aboutir à une REP. Donc REP, ça veut dire responsabilité élargie du producteur pour le bâtiment. Et donc c'est une REP dont on entend beaucoup parler en ce moment. Des REP, il y en a beaucoup autour de nous, sur les luminaires, sur les vêtements, sur les piles. En tant que consommateur, on va payer une éco-contribution qui derrière va à un éco-organisme qui lui a la responsabilité d'organiser les filières, et bien ça va être la même chose pour le bâtiment, ce qui va permettre notamment de payer le nettoyage des décharges sauvages. Si on revient sur notre sujet de réemploi et de recyclage, là la loi AGEC fait évoluer le diagnostic déchets vers un diagnostic qu'on appelle PEMD. Alors pour PEMD, ça veut dire produits, équipements, matériaux, déchets. Donc normalement ce diagnostic PEMD, la toute première date qui avait été annoncée pour son application, c'était le 1er juillet 2021, puis ça a été décalé au 1er janvier 2022 et malheureusement il manque encore quelques éléments de la part du ministère pour qu'il soit effectivement obligatoire. Donc aujourd'hui on réalise déjà de nombreux diagnostics PEMD puisque les maîtrises d'ouvrage se sont déjà mis en ordre de marche. Mais ce n'est pas encore obligatoire. Donc, pour qui est soumis à ce diagnostic PEMD aujourd'hui ? On parle toujours des déconstructions de plus de 1000 m² ou des bâtiments ayant hébergé des substances dangereuses. Mais en plus de ça, on parle des rénovations, ce qui est quand même très intéressant puisque la rénovation produit aussi un grand nombre de déchets et souvent des déchets de seconde œuvre dont on a plus de mal à... qu'on a plus de mal à recycler. Et donc, c'est aussi des rénovations qui vont être supérieures à 1000 m² qui vont y être soumis. Et on attend plus de détails, mais a priori, c'est les rénovations qui seront concernées par plus de deux lots différents. Donc, par exemple, si on travaille à la fois sur la plomberie et sur les aménagements intérieurs, on sera soumis au diagnostic PEMD. L'autre avantage de ce diagnostic PEMD par rapport au diagnostic déchets, c'est qu'on intègre la partie équipement, produits, matériaux. Donc ça veut dire qu'on arrête de considérer l'ensemble des matériaux qui sont dans le bâtiment comme des déchets, mais on fait bien la différence entre les équipements, produits et matériaux qui sont susceptibles d'être réemployés et les déchets. Ce qu'on attend aujourd'hui de la part du ministère, c'est une plateforme qui permet de charger l'ensemble de ces diagnostics pour les faire remonter à un organisme de contrôle, et donc c'est le CSTB qui est en train de travailler sur cette plateforme, et le formulaire CERFA qui sera le formulaire qui sera transmis sur la plateforme, et donc c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. Sur la plateforme du CSTB, c'est un exemple du fonctionnement de la plateforme qui a été présenté par le CSTB en juillet 2021. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le maître d'ouvrage qui a la responsabilité de mettre en ligne le CERFA sur cette plateforme-là. Ensuite, ce maître d'ouvrage a la possibilité de rendre public ou non ce CERFA. S'il est public, ça veut dire que d'un côté, les collectivités et de l'autre, les filières de valorisation, donc soit en réemploi, soit en recyclage, pourront aller notifier le maître d'ouvrage de leur intérêt pour les différentes typologies de matériaux, et le maître d'ouvrage pourra faire remonter l'ensemble de ces marques d'intérêt et organiser derrière son chantier pour mieux orienter ses déchets, produits, équipements, matériaux vers les bonnes filières ou les acteurs intéressés. En plus de ça, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que on va pouvoir avoir un suivi de l'ensemble des diagnostics qui ont effectivement été réalisés et ça va permettre de faciliter le contrôle. Et puis on va pouvoir avoir des rapports d'analyse, savoir quels sont les taux de valorisation finalement obtenus sur chacun de ces bâtiments, parce que le CERFA devrait être à la fois transmis
suite à la réalisation du diagnostic PEMD, mais aussi en fin de chantier, une fois que le déconstructeur ou le constructeur aura réalisé son bilan de valorisation. Pour rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de diagnostic ressources, la différence entre diagnostic ressources et diagnostic PEMD est assez simple. Le diagnostic PEMD, c'est un inventaire qui permet de localiser l'ensemble des produits, équipements, matériaux, déchets. Mais simplement pour les produits, équipements, matériaux, on ne qualifiera pas de manière précise. On va les quantifier, mais il n'y aura pas d'informations précises sur les dimensions, l'état, plusieurs photos. C'est des choses qui ne seront pas contractuelles. En tout cas demander de façon réglementaire. Contrairement au diagnostic ressources qu'on réalise depuis quelques années, qui est un inventaire exhaustif sur l'ensemble des matériaux qui sont disponibles sur le bâtiment, où on a aussi des informations sur les méthodologies de dépose, éventuellement les coûts de dépose, éventuellement les coûts de revente, avec aussi des informations sur les économies en termes de carbone qui seraient évitées suite au réemploi, et avec des pistes de réemploi in situ qui, derrière, pourraient être transmises aux maîtrises d'œuvre pour l'intégration dans leur projet futur. Et finalement, l'assemblage du diagnostic PEMD et du diagnostic ressources, c'est ce que nous, on appelle le diagnostic PEMD réemploi. Donc, ce n'est pas un simple diagnostic réglementaire, puisqu'il insiste sur les sujets de réemploi de manière à pousser le sujet. Je vais laisser la parole à Camille. Merci. Je vais donc vous présenter maintenant la démarche d'accord cadre d'AMO Réemploi pour entrer un petit peu plus dans les détails de la démarche entreprise par la région Île-de-France. Alors pour ceux qui nous regardent qui sont dans les maîtrises d'ouvrage, je vais faire un petit focus sur le montage que nous avons choisi. Vu la répétitivité des missions, comme nous avons beaucoup de travaux de rénovation sur nos opérations, nous avons 470 lycées et à peu près une dizaine d'opérations qui sortent chaque année. Donc on a une répétitivité des missions que nous souhaitions mettre en œuvre avec l'AMO et des missions qui pouvaient être identifiées en avance. Donc nous avons choisi la technique de l'accord cadre à bon de commande avec sur cet accord cadre-là deux lots géographiques. Le lot Est dont le prestataire est Mobius et le lot Ouest dont le prestataire est CycleUp. La démarche de cet AMO consiste par la réalisation d'un diagnostic ressources qui vous a été présenté par Colline juste avant, qui est réalisé suite à, d'une part, une analyse documentaire. Tous les documents que la maîtrise d'ouvrage, donc la région, peuvent fournir aux prestataires sont lus et consultés par notre AMO. Ils réalisent également un audit sur site qui leur permet d'inventorier l'ensemble des matériaux qu'ils estiment réemployables. Et ceci consiste à un diagnostic ressources. Ce diagnostic ressources est composé de trois principaux éléments: l'inventaire, une grille de synthèse et une note d'analyse. L'inventaire est composé principalement de deux fiches, les fiches matériaux et les fiches avec des propositions de réemploi. Elles vous seront présentées en particulier sur les deux opérations tout à l'heure par Ajar et Flavie. Dans l'inventaire, nous avons une liste exhaustive, comme l'a dit Colline tout à l'heure, des matériaux ressources en termes de qualité et de quantité, avec des pistes de conception sur site et à l'extérieur, une description des mises en œuvre possibles, des modes de démontabilité, de dépose, tout ce qui est nécessaire à savoir si nous avons besoin de faire du transport, les zones de stockage nécessaires pour chacun des matériaux. Et nous avons également des identifications des filières potentielles de réemploi ou de réutilisation, que ce soit sur notre chantier ou sur des chantiers alentours ou sur des plateformes, comme des plateformes numériques par exemple. Nous avons demandé également à notre AMO de réaliser une grille de synthèse qui nous permet d'avoir tous les matériaux contenus dans l'inventaire sous forme de tableau Excel, ce qui permet à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre de filtrer les informations par exemple par lot ou par bâtiment, ce qui permet de travailler derrière beaucoup plus facilement pour la suite de la conception. Il est également demandé à nos AMO une note d'analyse environnementale, économique et sociale qui nous permet d'avoir une idée de l'impact de la démarche d'économie circulaire entreprise sur nos opérations.
En termes environnementaux, nous avons des indicateurs principaux qui sont le CO2 émis évité, le nombre de déchets évités, la quantité de la diminution de l'utilisation de ressources. Donc, en termes économiques, nous avons une différence entre la démarche d'économie circulaire, donc la dépose sélective, le conditionnement, un éventuel stockage et la réduction, quand c'est sur site, du prix d'achat du matériau. Quand c'est un matériau qui vient de l'extérieur, le prix est un petit peu réduit parce qu'il est réemployé. VS, un curage classique, un tri, un traitement classique avec le transport et l'achat d'un matériau neuf. En termes sociaux, nous avons demandé à notre MO de nous indiquer le nombre d'heures approximatives générées par cette démarche de réemploi. Voilà, donc nous arrivons à la deuxième mission de notre AMO. Après avoir réalisé le diagnostic ressources, nous identifions si l'opération a un potentiel en termes d'économie circulaire. S'il a un potentiel, nous nous attelons à rédiger des objectifs spécifiques pour l'économie circulaire, pour la déconstruction sélective. Donc nous déconstruisons de manière sélective certains éléments pour qu'ils soient réemployés. In situ, donc c'est le deuxième type d'objectif, directement sur notre site. Il peut arriver que nous ayons une déconstruction d'un bâtiment et une extension, par exemple, sur une même opération. Donc ça, c'est des matériaux qui peuvent tourner d'un bâtiment à l'autre. Ils peuvent également être déconstruits à un moment et remis en œuvre sur ce même bâtiment, selon les choix de conception de la maîtrise d'œuvre. Nous avons également un troisième type d'objectifs qui sont les objectifs de réemploi ex situ, où nous intégrons des matériaux qui proviennent de l'extérieur vers notre site. Tout cela est intégré donc dans notre programmation, ce qui nous permet d'avoir vraiment des objectifs d'économie circulaire dès l'amont de l'opération. Ces pièces-là sont données à la maîtrise d'œuvre lors de la consultation. Donc ils l'ont vraiment tout au démarrage de l'opération, ce qui leur permet d'avoir en tête le fait que ce projet va entrer dans une démarche d'économie circulaire. Il peut aussi prévoir de se faire accompagner par les organismes qui peuvent l'aider à mettre en place concrètement cette démarche. Une fois reçues les premières propositions de conception des maîtres d'œuvre, notre AMO vérifie l'adéquation de la conception avec les objectifs fixés dans le programme et il nous suit tout au long des phases de la conception. Ici, une petite carte qui reprend globalement toutes les missions qui sont proposées dans le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières et dans le bordereau de prix unitaire de nos AMO. Donc on en a déjà vu certaines, hein, diagnostic ressources, identification des filières, analyse environnementale. Nous avons aussi possibilité de faire des études de faisabilité qui nous permettent de justifier les qualités techniques de certains matériaux pour permettre leur mise en place sous certaines conditions. La réalisation de dossiers de subvention également. Les retours sur expérience pour nous donner une visibilité sur l'impact environnemental, social et économique de l'ensemble de la démarche sur le projet, mais aussi pour nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs sur les opérations d'après et surtout de recommencer les choses qui ont bien fonctionné sur les opérations d'après. Nous avons également une mission de suivi des entreprises pendant la phase de chantier. Qui consiste à la vérification de la bonne mise en œuvre des objectifs qui avaient été fixés dans notre programme et enfin la mise en place d'ateliers de sensibilisation des usagers théoriques et pratiques. Nous avons pensé que comme nos chantiers sont en site occupé, donc on a des usagers qui occupent les lycées et des travaux d'un autre côté, que faire ces sensibilisations permettrait aux usagers de s'approprier les travaux et d'accepter davantage les éventuelles nuisances qui sont liées à ces chantiers. Il y a d'autres missions, mais qui sont vraiment liées à la région que je ne vais pas vous décrire pour le moment, enfin pas aujourd'hui. Au long d'une opération, nous avons la phase de faisabilité pendant laquelle nous réalisons, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le diagnostic ressources. Ce qui nous permet d'écrire les objectifs de réemploi et déconstruction sélective en phase de programmation et de les transmettre directement à la maîtrise d'œuvre.
en phase de conception. Nous avons, nous n'avions pas prévu le diagnostic PEMD dans notre marché car il a été notifié en octobre 2020, si je ne me trompe pas, avant que le diagnostic PEMD soit rendu obligatoire. Donc nous ne l'avions pas prévu, mais nous le réaliserons et nous l'avons déjà réalisé sur une première opération qui vous sera présentée par Flavie tout à l'heure, l'opération de Coulommiers, en phase de conception. Une fois que l'architecte a décidé quels étaient les matériaux qu'il souhaitait réemployer sur l'opération pour avoir une vision un petit peu plus précise et pouvoir faire un inventaire exhaustif par rapport au projet spécifiquement. Je vais terminer avec une analyse des aspects juridiques. Nous sommes en particulier sur des ERP, donc des établissements publics. Les matériaux, équipements et produits sont des biens publics qu'il est possible de céder à titre onéreux ou à titre gratuit. Pour la cession à titre gratuit, nous avons deux obligations principales qui sont d'avoir une contrepartie, qui peut être par exemple l'économie de mise à la benne, et il faut justifier d'un motif d'intérêt général, qui peut être par exemple l'environnement ou le motif d'intérêt général de l'association ou de l'organisme qui va récupérer les matériaux. Dans le cas spécifique des EPLE, des établissements publics locaux d'enseignement, dont font partie les lycées, nous avons aussi l'obligation de réaliser une demande de désaffectation vis-à-vis du préfet de la région, qui est une procédure particulière et spécifique selon que la valeur unitaire des matériaux soit supérieure ou inférieure à 4600 euros. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez plus de détails, vous pourrez me contacter ultérieurement. Je serais ravie de pouvoir vous aider. Et nous avons pu identifier que sur la base de nos diagnostics ressources, nous pourrions réaliser ces demandes de désaffectation car elles contiennent déjà le nom, la qualité, la quantité et l'estimation financière. Donc nous n'avons pas besoin de produire de nouveaux documents, de nouvelles analyses pour faire cette demande de désaffectation. Je vais vous parler maintenant pour finir, de 5 solutions que nous avons pu identifier comme possible pour la mettre en place sur des opérations de travaux. D'une part, la dépose collaborative, qui consiste à faire déconstruire proprement les éléments par des entreprises et faire venir des personnes, des repreneurs intéressés pour venir chercher directement sur le site les éléments déconstruits. Nous avions également envisagé de faire déconstruire directement par les organismes extérieurs intéressés, mais cela soulève des questions assurantielles qui ne sont pas encore résolues aujourd'hui, donc nous ne partons pas là-dessus pour le moment. Il existe également le transfert de biens entre lycées, qui a pour avantage de ne pas demander de désaffectation, mais qui nécessite que les projets soient vraiment au niveau planning en parallèle et que le planning colle bien. Il y a la possibilité d'une conclusion d'un marché directement avec un prestataire qui serait, lui, chargé de s'occuper de la revente des matériaux vers l'extérieur, ou la possibilité de revendre directement en tant que région les matériaux vers l'extérieur, ce qui nécessiterait du temps des agents pour faire cette revente. Et enfin, je terminerai avec la solution que nous avons choisie, nous, pour l'intégrer dans nos marchés de construction et de restructuration. C'est l'intégration de clauses de réemploi directement dans les marchés des entreprises, qui nous permet de s'assurer que cette démarche sera bien mise en place sur nos opérations. Donc on demande au maître d'œuvre d'intégrer une démarche directement dans les marchés d'entreprise, soit avec un lot réemploi, qui sera chargé de, par exemple, mettre à disposition des matériaux issus de réemploi pour toutes les entreprises, ou alors d'intégrer des clauses de réemploi dans les marchés de chacune des entreprises. Alors pour chaque opération, selon le potentiel, ça sera discuté avec les AMO et la maîtrise d'œuvre pour voir ce qui fonctionnera le mieux. Et voilà, c'est pas quelque chose que nous avons bloqué, mais vraiment qui, on l'espère, fonctionnera. On en est à ces phases-là à peu près de nos opérations actuelles. Je vais laisser la parole. Alors, il y a quelques questions avant. Merci en tout cas déjà à toutes les deux pour cette présentation. Alors on a une petite série de questions. Est-ce que vous savez déjà s'il y a une nouvelle date d'obligation du diagnostic PEMD ? Non, on n'a pas de visibilité.
Ok, au moins ça répond à la question. Plutôt pour Camille, je crois, dans quelle proportion y a-t-il suite de la démarche ou arrêt de la démarche suite au diagnostic ressources ? Quelles sont les raisons principales de l'arrêt, entre parenthèses l'âge du bâtiment, l'état des matériaux, la difficulté de dépose ou autre chose ? Alors, actuellement, comme nous avons lancé le marché en octobre 2020, nous avons réalisé les diagnostics ressources sur des opérations en phase de programmation. Et pour ceci, pour l'instant, nous avons continué sur 100% des opérations. Nous avons essayé de réaliser les diagnostics ressources sur des opérations un petit peu plus avancées, qui étaient par exemple en phase APS, en phase APD. Et pour ces opérations-là, comme les maîtres d'œuvre n'avaient pas ces éléments dans leur programme, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc si je peux donner un conseil aux maîtres d'ouvrage, c'est vraiment de faire ce diagnostic en amont et d'intégrer dans les programmes adressés aux maîtres d'œuvre ces objectifs directement. Est-ce qu'on connaît le surcoût de cette pratique ? Alors, le nerf de la guerre. Alors, tout dépend de la surface et de comment vous faites votre bordereau de prix unitaire. On est parti sur un coût de prestataire environ de 50 000 euros pour l'ensemble de la démarche sur une opération. Maintenant, sur le réemploi en lui-même, là, je peux laisser la parole peut-être à Colline. Alors, il y a différents niveaux dans la démarche de réemploi. Je les classe en trois axes. Le premier niveau, c'est le réemploi ex situ. Le deuxième niveau, c'est le réemploi in situ. Et le troisième niveau, c'est l'approvisionnement extérieur en matériaux qui viendrait d'un autre site qui serait issu du réemploi. Donc, pour le premier niveau, pour le réemploi ex situ, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de surcoût pour le maître d'ouvrage, sauf si le maître d'ouvrage souhaite faire du don à des associations. Mais c'est vrai que la dépose sélective versus la dépose traditionnelle en vue de la mise à la benne consomme plus de temps puisqu'il faut déposer proprement, il faut conditionner. L'objectif quand on travaille sur les opérations et qu'on a la possibilité et que les matériaux sont en état d'être revendus, c'est que le coût de dépose soit un tout petit peu inférieur ou inférieur ou égal au prix de revente. Comme ça, le maître d'ouvrage finance la dépose sélective auprès du déconstructeur ou du cureur et se rémunère sur le prix de vente. Pour ce qui est du don, en effet, il y aura un surplus de dépose à payer. Et ça, on est autour, ça peut varier entre 10 et 30% du coût de dépose initial. Donc ça, c'est pour le premier niveau. Sur le réemploi in situ, eh ben, ça va complètement dépendre de la solution in situ qui a été sélectionnée par la maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est du cas par cas. Il faut toujours faire une approche en coût global où on garde les surcoûts engagés pour le réemployer vraiment ce matériau versus l'économie qui est faite dans l'achat évité d'un autre matériau. Donc c'est des analyses qui doivent être faites matériau par matériau, solution par matériau. Et sur l'approvisionnement en matériaux de réemploi qui viendrait de l'extérieur, le matériau va coûter moins cher, vous aurez potentiellement un petit surcoût sur la remise en œuvre. Mais notre objectif dans les démarches, c'est d'arriver à iso-coût au pire, voire de réussir à faire quelques économies. Merci. Encore peut-être une ou deux autres questions des internautes. Est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à ce cahier des charges ? Donc, je pense que c'est celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a mon contact à la fin de la présentation. Vous pourrez m'envoyer un mail en me demandant l'envoi du cahier des charges. Et je vous le transmettrai avec plaisir. Merci beaucoup. Et une dernière question, qu'est-ce que ça apporte la demande de désaffectation, donc de sortir du statut de déchet pour la reprise ? Ce que ça apporte, alors c'est juste le fait de passer d'un bien public à un bien qui n'est plus public et qui peut être donné vers l'extérieur, tout simplement. Ok. Je propose qu'on passe la parole à Jeanne et Flavie, c'est à vous, vous avez une vingtaine de minutes. Alors, bonjour à tous et à toutes, moi je vais vous présenter une opération, c'est celle de la rénovation globale du lycée Paul Valéry, qui est un lycée qui se situe dans
le 12e arrondissement de Paris. Vous avez ici une vue aérienne qui va vous montrer un petit peu les bâtiments qu'on a diagnostiqués. Donc, on n'est pas intervenu sur l'ensemble du site. Vous avez en couleur rouge la barre avec les classes. Vous avez en vert, en tout petit, la cafétéria. En jaune, les logements de fonction avec l'administration au rez-de-chaussée à l'étage. Et vous avez les garages en bleu et l'entrée du lycée qui est le poste de sécurité. Donc, avec la maîtrise d'ouvrage, donc la région Île-de-France, on a convenu d'un périmètre d'intervention, donc vous avez la liste, c'est les aménagements intérieurs et extérieurs, les équipements techniques du lycée, tout le mobilier à diagnostiquer, les éléments structurels et les éléments composant les façades. Alors comme a dit Camille juste avant, effectivement quand on fait un diagnostic ressources, surtout dans un lycée, on a affaire à une grille Excel qui comporte à peu près plus de 400 lignes. Donc il était important de synthétiser les données pour donner une vision assez globale, mais en même temps assez détaillée des matériaux qui ont été diagnostiqués. Vous avez ici trois exemples de fiches matériaux. Donc au total, on en a une quarantaine. Mais ce sont des fiches matériaux qui vont vraiment classer les ressources diagnostiquées par typologie ou famille de matériaux. Et donc c'est une fiche qui va vraiment résumer et synthétiser toutes les données relatives aux matériaux diagnostiqués. Donc vous avez une grande partie qui est consacrée aux photos, donc qui vont présenter tous les types de matériaux dans cette typologie-là. Vous avez la localisation du matériau dans le bâtiment ou les bâtiments, parce qu'il y a des matériaux qui se répètent d'un bâtiment à l'autre. Vous avez comment on peut stocker ce matériau-là, avec quel dispositif et quel est le besoin nécessaire en stockage. Puisque ces fiches-là seront amenées à être lues par des entreprises, et ben forcément on a mis des préconisations de dépôt, de conditionnement et de stockage de ces matériaux-là. Tout en bas, vous avez une partie qui va présenter l'économie carbone que va engager le réemploi de ces matériaux avec une économie déchets et l'économie financière, sans oublier bien sûr la quantité existante et réemployable du matériau. Donc ici, vous avez trois fiches, celle des garde-corps main courante, deuxième, celle des faux plafonds, et la troisième, celle des portes intérieures. Ici, vous avez les solutions de réemploi. Donc pour chaque fiche de matériaux, on a établi une fiche solution en face qui va présenter les solutions de réemploi ou de réutilisation de ce matériau-là. Donc c'est des photos, des références de projets qui ont déjà mis en place et mis en œuvre ces solutions. Et l'idée, c'était d'inspirer un petit peu les architectes candidats au concours pour leur donner des orientations et les inspirer un petit peu par rapport aux matériaux diagnostiqués. Donc on a terminé le diagnostic ressources avec tous ces livrables. L'étape suivante était de, comme a précisé Camille, d'établir des objectifs et une stratégie économie circulaire pour les candidats. Donc c'est un programme qui est intégré au programme environnemental et technique de l'opération. Et ici vous avez un petit peu le schéma et la démarche qui nous a un petit peu permis d'établir ces objectifs. Donc pour chaque axe de réemploi, comme l'a dit Colline, donc in situ ou approvisionnement extérieur, il était important d'avoir ou de désigner un indicateur, un type d'objectif et surtout le périmètre. Vous avez, si je prends l'exemple du réemploi in situ, nous on est parti sur un indicateur en masse, donc partir sur un pourcentage en masse pour réemployer les matériaux, qui est un objectif quantitatif. Et on a aussi désigné un périmètre pour le réemploi in situ. Et donc, au lieu de juste choisir des matériaux ou distinguer vraiment un objectif par lot, on a distingué plutôt les lots les plus importants, les lots qui représentent un potentiel important de réemploi. Et on a appliqué ces objectifs-là sur ces lots. Pour illustrer un petit peu mes propos, vous avez ici les trois grilles Excel. Et concrètement, on a vraiment mis en place un outil de suivi qu'on a joint à ce programme. Et cet outil de suivi, il est amené à être complété par les candidats au fur et à mesure, même après le gain du concours. Et donc aujourd'hui, l'outil de suivi, sa première version, il est rempli avec les lots désignés, les objectifs établis en pourcentage et en équivalent en masse.
Donc vous avez ici trois parce qu'il y en a un pour l'in-situ, un pour l'ex-situ et un pour l'approvisionnement extérieur. Et vous voyez qu'au niveau de l'approvisionnement extérieur, l'objectif n'a pas été désigné selon le même indicateur que l'in-situ et ex-situ parce qu'on est plutôt parti sur un objectif qui est exprimé en fonction du coût du lot. Et là, en l'occurrence, on a choisi le lot 12 aménagements extérieurs et les autres lots et on a demandé aux candidats de consacrer, par exemple, 20% du coût du lot au réemploi des matériaux. Ici, vous avez une proposition d'un groupement de maîtrise d'œuvre. Donc, vous avez l'image de synthèse qui présente un petit peu les résultats de leur conception. Et effectivement, on a veillé dans notre analyse à vérifier si les candidats ont bien intégré des solutions de réemploi, est-ce qu'ils se sont inspirés uniquement des nôtres, ou alors ils sont vraiment allés jusqu'au bout de la démarche pour innover et proposer des choses personnalisées au projet. Et vous avez ici quelques solutions qui ont été présentées par ce groupement, récupérer les mosaïques de façade, les gravats de béton, découper des planchers de béton pour les remettre en œuvre en aménagement extérieur. Et ici, et je vais terminer avec ça, c'est effectivement la suite de l'outil de suivi que je vous ai présenté il y a trois slides avant. Et la partie verte, c'est vraiment les résultats que la maîtrise d'œuvre a vraiment intégrés dans sa démarche. Donc vous voyez qu'effectivement, ils ont vraiment intégré les pourcentages en mentionnant l'avancement par rapport à ce pourcentage-là. Et ils sont même allés jusqu'à proposer des lots en plus. Donc c'est ceux qui sont marqués en bleu pour dire, voilà, on a appliqué les pourcentages sur les lots demandés, mais on a aussi été force de proposition pour en proposer d'autres. Donc ici, vous avez les deux tableaux, celui de l'in-situ et ex-situ et celui de l'approvisionnement extérieur, toujours avec le résultat d'avancement des groupements. Voilà, donc je pense que c'est ma dernière slide et je peux passer la main à Flavie. Merci, Aja. Donc pour ma part, je vais vous présenter le projet du campus de Poulmiers. Là, c'est un site qui est assez vaste, qui fait à peu près plus de 100 000 m², sur lequel on a pu diagnostiquer une trentaine de bâtiments quasiment. Donc c'est un lycée technique des métiers de l'automobile et des engins motorisés, avec à peu près 2600 élèves. C'est un projet dont le concours a été gagné par l'équipe Patrick Mauger Architecture, EODD et Scoping. Là, c'est en étude actuellement, c'est en phase pro. Et la livraison de ce projet est prévue pour 2026. Donc comme Cycle Up, on a pu mettre en place une démarche de diagnostic ressources sur ce lycée. Donc là, je vous présente trois fiches diagnostiques, donc avec des éléments à la fois de seconde œuvre et des éléments aussi de gros œuvres, donc là par exemple lanterneau, réglette néon et voile béton. Donc à savoir que le diagnostic ressources, il se veut assez exhaustif, hein, vraiment on va venir toucher tous les types de lots, et vraiment à la fois du coup le gros œuvre et le second œuvre. Et donc avec des propositions, enfin une visualisation à la fois des caractéristiques de tous les produits et aussi des préconisations de ce qu'on peut faire de ces produits qu'on récupérerait. Donc, qui peuvent être des préconisations, qui sont des préconisations plutôt pour leur usage in situ, pour vraiment donner des propositions aux architectes, mais qui pourraient aussi être des détournements qu'on imagine ex situ de ces différents produits. Donc là, par exemple, transformer les lanterneaux en éléments d'éclairage, récupérer les luminaires pour des luminaires, et voir comment retravailler des éléments de béton plutôt en réutilisation pour en créer du mobilier ou autre. Donc à la suite de ce diagnostic, on a pu également mettre des objectifs programmatiques. Donc pour tout ce qui est des matériaux issus du site, on a mis en place des objectifs lot par lot. Donc on a vraiment repris en fait notre listing réalisé au cours du diagnostic pour mettre du coup les quantités de chaque produit qu'on a à disposition et mettre du coup des pourcentages d'objectifs de réutilisation de ces produits au sein même du projet. Donc là, sur le tableau que je vous présente, il y a deux lots qui sont inscrits, qui sont couverture et menuiserie extérieure. Donc par exemple, si on prend l'exemple du lot couverture, on a imaginé pouvoir intégrer 30% de cette matière dans le projet in situ. Donc ça, c'est le tableau qu'on met à disposition à nos maîtrises d'œuvre. Et ensuite, voilà, là, elles ont un tableau un peu plus large sur lequel elles vont pouvoir intégrer leurs réponses, leurs engagements, donc dire comment elles se positionnent par rapport à chacun de ces produits. Donc dire pour tel produit, on pense pouvoir les réemployer
tel que, on pense pouvoir le réutiliser, on pense pouvoir seulement le recycler, mais du coup s'engager un peu à dire sur quel tonnage de tel ou tel matériau ils peuvent s'engager. Accolé à ce tableau, on va avoir un deuxième tableau qui est plutôt le protocole parfumière. Là, c'est un tableau qui est assez long et du coup qui va être rempli plutôt avec sur les abscisses chacun des produits et en verticale une méthodologie. Donc c'est, on demande en fait à nos maîtrises d'œuvre de venir préciser la manière dont elles vont s'y prendre pour réemployer ces produits-là. Donc détailler vraiment la méthodologie produit par produit, la dépose, le stockage, le traitement qui sera nécessaire pour le réemployer sur le site, des protocoles d'essai qui seront demandés par le bureau de contrôle pour pouvoir vraiment vérifier la norme de ces produits et pouvoir au final permettre la survivabilité de ces produits. Donc en précisant au mieux toutes ces étapes, on se permet après de vraiment pouvoir valider le processus. Et donc ça leur permet aussi de voir exactement comment elles pourront mettre en œuvre ces différents produits. Là, je vous affiche un petit récapitulatif du coup des objectifs. Donc comme CycleUp, on va avoir à la fois des objectifs de réemploi in situ. Donc c'est le premier tableau qui présente vraiment un pourcentage lot par lot de ce qui peut être réemployé sur le site. Et après, on va avoir des objectifs réemploi global. Là, c'est les objectifs là. L'idée, c'est de pouvoir à la fois voir ce qui va être issu du site, remis en œuvre dans le site, et également les éléments qui seraient approvisionnés depuis l'extérieur. Donc pour ça, on a mis à la fois des objectifs sur la masse et à la fois des objectifs sur le carbone, encore une fois, lot par lot, pour vraiment essayer de travailler tous les éléments du site, de ne pas se cantonner à se dire de ne travailler que sur le gros œuvre, que sur les menuiseries, mais vraiment essayer de pousser les maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre à travailler sur l'ensemble du site. Donc là, pour ces objectifs globaux, on a mis une vingtaine d'objectifs. Et ce qu'on demande à nos maîtrises d'œuvre, c'est d'atteindre 10 de ces objectifs pour répondre à ce qu'on attend. Donc là, je vous affiche une partie, encore une fois, du tableau programmatique rempli par la maîtrise d'œuvre, donc avec du coup leurs engagements sur tout ce qui sera des produits de couverture. Donc avec, voilà, encore une fois, en bleu sur le tableau à gauche, nos listings et les produits qui sont issus du diagnostic. Et à droite, la réponse de la maîtrise d'œuvre, avec du coup le tonnage et les pourcentages qu'elle souhaite, qu'elle imagine pouvoir mettre en œuvre dans son projet, et le texte qui est vraiment sa préconisation de réemploi. Et donc là, il y a même quelques petites images sur plutôt des éléments de couverture ou des éléments de poteaux de ce qui pourrait être réemployé, la manière dont ça pourrait être transformé, donc là par exemple en banc. Donc si on revient un peu au niveau de performance qui sont atteints ici, les objectifs du programme, si on donne vraiment une valeur un peu sensible à ce qu'on avait estimé par rapport à nos objectifs en pourcentage, ça représenterait à peu près 600 tonnes de déchets évités, 100 tonnes de carbone non émis et une économie financière de 30 000 euros. Et donc là, par rapport au niveau atteint par la maîtrise d'œuvre en phase APD, donc par rapport à ce qu'ils nous ont fourni comme tableau, comme données, on arrive à peu près à une estimation de déchets évités de 750 tonnes, de carbone non émis de 200 tonnes et d'économie financière de 60 000 euros. Alors à savoir que ces chiffres, c'est aussi un peu un travail au ratio par rapport au pourcentage qu'ils nous ont indiqué et de ce qu'on peut estimer. Tout ça reste un peu à retravailler, ça sera vraiment affiné selon les phases d'études et ça, c'est amené à évoluer en phase pro et encore ensuite. Donc pour vous donner un peu une image sensible de ce qui est vraiment proposé là par l'équipe de maîtrise d'œuvre, en phase APD, du coup, ils s'engagent sur différents produits, donc par exemple sur du béton, à le travailler en criblage plutôt en recyclage pour en faire de la sous-couche de forme, aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire de la création de mobilier extérieur. Sur une cinquantaine de portes, là, ils souhaitent les transformer pour la création de mobilier, en table notamment. Sur des menuiseries extérieures, en faire des palissades et aussi pouvoir les utiliser dans la maison du projet pour la rénovation du lycée. Une centaine de radiateurs qui seront du coup conservés et remis en état sur le site. Et idem pour une trentaine de vasques et vidoirs qui seront déposés, remis en état
et remis sur le site. Donc là, ça reste quelques exemples parmi tous les éléments qui ont pu être cités par la maîtrise d'œuvre. Et donc, à savoir que sur ce site, on a été aussi sollicité par la maîtrise d'ouvrage mandataire directement, donc qui là est Île-de-France Construction Durable, pour faire du coup un diagnostic PEMD. Donc pour rappeler un peu le cadre législatif, mais que Colin a déjà très bien expliqué tout à l'heure, donc la réglementation actuelle, c'est le diagnostic déchets qui va venir vers le diagnostic PEMD, donc qui se veulent toutes deux des visions vraiment exhaustives des déchets issus des déconstructions. Donc on va venir lister à la fois les déchets inertes, les déchets non dangereux, les déchets dangereux, et ça permet aussi de mettre en place du coup des outils un peu de suivi des déchets et des matériaux. Donc à venir, comme le disait Colline, il y aura une plateforme du CSTB qui permettra de mettre en ligne ces différents diagnostics. Donc c'est un outil d'analyse et récolement d'informations. Donc là, je vous présente rapidement le diagnostic PEMD qu'on a pu effectuer. Donc en fait, il va venir reprendre nos fiches ressources qu'on a éditées avant et des tableaux un peu plus exhaustifs, donc par typologie de diagnostic, d'éléments que j'ai pu vous citer tout à l'heure. Donc en plein, on va retrouver les éléments de couverture et notamment de béton dans les déchets inertes. Et ensuite, toutes ces informations seront remises dans des SERFA de récolement. Donc ça aujourd'hui, c'est le SERFA de diagnostic déchets qui existe actuellement et qu'on sera amené à remplir. Et ensuite, je vous ai aussi indiqué les SERFA de récolement des diagnostics PEMD. Donc ça, c'est une prévisualisation du SERFA qui existe, donc sur plutôt les éléments de produits, équipements, matériaux, et qui reprendra aussi des éléments plus de déchets pour vraiment venir combler l'ensemble des éléments issus du site. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors on a pas mal de questions en ligne que je vais vous transmettre. La première est-ce qu'on peut faire équipe avec le diagnostiqueur qui a réalisé le diagnostic ressources dans l'équipe de maîtrise d'œuvre? Il aurait alors un rôle de BET réemploi, point d'interrogation. Alors non. Ils ne seront pas jugés partis. En revanche, il nous arrive d'avoir un AMO réemploi qui est par exemple Mobius et CycleUp dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Mais ils ne peuvent pas faire partie de l'équipe de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre en même temps. Et du coup, est-ce que la maîtrise d'œuvre a-t-elle une rémunération spécifique dans son marché pour le travail qu'elle réalise sur ce sujet? Si oui, quelle forme cela prend-il dans le marché? Est-ce que c'est une modification du DPGF, une option du marché de maîtrise d'œuvre? Alors, je ne connais pas le détail de la rémunération, mais c'est un prix global sur lequel la maîtrise d'œuvre s'engage. Et donc, ça fait partie de la rémunération globale. Est-ce que les objectifs de réemploi sont-ils engageants pour la maîtrise d'œuvre? Si oui, par quels moyens? Est-ce qu'il y a un système de bonus-malus, de pénalités ou autre? Alors, il y a deux types de marchés. Le marché global de performance que nous avons par exemple sur l'opération de Paul Valéry, sur laquelle l'atteinte de l'objectif est contractuelle. Donc le groupement doit vraiment atteindre cet objectif, ainsi que plein d'autres en termes de performance. Et il doit vraiment l'atteindre pour qu'on puisse valider sa candidature. Pour ce qui est des projets un peu plus classiques avec concours de maîtrise d'œuvre et en loi MOP, c'est un peu plus complexe. On essaye de suivre tous nos objectifs à chaque phase de conception pour aider la maîtrise d'œuvre. Notre démarche, c'est vraiment de les accompagner, de monter tous en compétences. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par un AMO. Mais on ne va pas les pénaliser derrière s'ils n'y arrivent pas. En revanche, on va vraiment insister pour qu'ils y arrivent et on va leur donner tous les moyens pour qu'ils y arrivent, in fine. Autre question, les calculs de carbone non émis sont basés sur les FDES? Sont-ils basés sur les FDES? Alors oui, je laisse plutôt parler. Oui, complètement. Pour chaque matériau de réemploi, on va consulter la FDES du matériau équivalent neuf. On va récupérer ces données-là et nous, effectivement, on fait ces calculs-là. Après, effectivement, dans une FDES, ça donne des données vraiment par phase sur tout le cycle de vie du bâtiment. Et donc, effectivement, en fonction du réemploi in situ ou ex situ, on va savoir
quelle phase de la vie du matériau on économise en carbone. Est-ce que c'est la production et la fin de vie ou les deux? Peut-être en complément de cette question-là, est-il déduit un impact lié au transport vers un autre site à la remise en état du matériau? Deux questions. Alors effectivement, ça, c'est la différence entre in situ et ex situ. Si on est vraiment sur un réemploi sur site, le matériau n'a pas à être transporté, sauf s'il va être transformé dans un lieu extérieur. Mais effectivement, quand on est sur du réemploi ex situ, le matériau va vers un autre repreneur qui est peut-être très loin de notre site. Et là, l'impact carbone est aussi pris en compte. Merci. Une autre question. Sachant que l'usage seconde vie peut être détourné, la FDES choisie peut ne pas être le bon exemple. Exemple, on découpe un plancher béton pour fabriquer un banc. Le carbone économisé est-il celui du béton ou celui du banc? À mon sens, plutôt celui du banc, car c'est le banc qu'on évite de fabriquer. Tout à fait. Bon, ben voilà. Allez-y, oui. On demande une mise à jour de ces indicateurs. Donc une fois que le maître d'œuvre a choisi la conception pour chacun des matériaux, il y a une mise à jour de ces indicateurs, donc qui sera un peu plus précise. Effectivement, les données qui sont au démarrage de l'opération sont approximatives, sont des estimations, et elles seront affinées au fur et à mesure de l'opération. Et je rajoute un sujet qui est important et dont on que je n'ai pas évoqué dans la partie réglementaire. C'est que dans le cadre de la RE 2020, qui est applicable au bâtiment neuf, l'intégration d'un matériau de réemploi dans le projet, que ce soit un matériau de réemploi in situ ou qui viendrait de l'extérieur, vaut zéro en termes d'impact carbone. C'est comme s'il n'avait pas été mis en œuvre. Donc ça, c'est une simplification qui est faite par la nouvelle réglementation, mais qui permet aussi de favoriser le réemploi des matériaux de construction dans le bâtiment. D'autres questions. Quels sont les autres bureaux d'études réemploi dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, autres que CycleUp et Mobius pas dans l'accord cadre de diagnostic, mais après en maîtrise d'œuvre. J'ai pas révisé. Là, ça me revient pas comme ça, mais je pourrais vous les donner pareil si vous me contactez derrière. Je pourrais vous les donner. Notamment sur Colombier, c'est Eode. Il y a Elan aussi. Élan, j'arrive pas à me souvenir du nom, déconstruction, ça comporte déconstruction. Enfin, moi, je pense que c'est mieux si on transmet une liste derrière, parce que la réflexion va être longue. Peut-être deux dernières questions. À terme, le diagnostic ressources deviendra l'ancêtre du PEMD, c'est ça? C'est pas tout à fait ça, puisque malheureusement, si on se limite simplement au diagnostic PEMD réglementaire, on n'aura pas, il y a des choses qu'on n'a pas, que j'ai évoquées, comme les exemples de solutions de réemploi, les impacts carbone évités, le détail dans les préconisations de dépose, des prix éventuels de dépose ou de revente. Donc il faut, si je peux donner un conseil à la maîtrise d'ouvrage là-dessus, quand elle lance ses marchés de diagnostic PEMD, si elle a une vraie volonté de développer le réemploi, mieux vaut demander dans son diagnostic PEMD une partie ressources complémentaires. Une autre question qui est arrivée tout à l'heure, est-ce que vous avez des opérations de réhabilitation en site amianté? Et si oui, comment est géré le réemploi dans ce cas-là? Oui, je pense que vous avez chacune des exemples. Ces matériaux sont tout de suite retirés des éléments réemployables. Une dernière question qui est arrivée avant de conclure. Si je comprends bien, un diagnostic PEMD est aujourd'hui suffisant, mais pas toujours exhaustif. Et est-il possible de demander une analyse exhaustive des produits avec un PEMD réemploi? Dans ce cas, quel est le coût moyen d'un diagnostic PEMD vs un diagnostic PEMD réemploi ou ressources? Faut-il refaire un diagnostic en phase FESA avant les travaux? Alors, le diagnostic PEMD, il doit être en phase avec les volumes de matériaux qui vont devoir être évacués du site. Donc c'est vrai que de réaliser un diagnostic PEMD en phase concours, ça n'a pas de sens. Enfin, en phase programme, ça n'a pas de sens parce qu'on ne connaît pas exactement le périmètre de déconstruction du site. Il faut attendre que les études soient un petit peu avancées. Mais par contre, de réaliser un diagnostic ressources, ça a du sens,
puisqu'on va identifier l'ensemble des matériaux qui pourraient potentiellement être réemployables, transmettre à la maîtrise d'œuvre qui, elle, va pouvoir réintégrer ou réfléchir au sujet du réemploi. Donc ça, c'est par rapport à une partie de la question. Sur l'autre partie, en termes de coût, je réponds pour Cycle Up en tout cas. Je dirais que entre un prix d'un diagnostic PEMD et un prix d'un diagnostic PEMD réemploi, on est à 30% plus cher pour le PEMD réemploi, à peu près. Je ne sais pas si mon plus c'est... Oui, je pense qu'on est à peu près sur ces ventes de plus. Du coup, je réitère mon conseil pour les maîtres d'ouvrage de faire un diagnostic ressources en amont. Et dans ce cas, le diagnostic PEMD reprend une grande partie des éléments qui sont déjà dans le diagnostic ressources. Donc ça permet de faire une économie sur un diagnostic PEMD qui serait démarré juste en phase de conception. Parce que toute la phase est déjà réalisée concernant les ressources, les équipements et les matériaux. Alors, il nous reste encore une petite minute et on a des dernières questions qui arrivent. Est-ce que Cycle Up pourra partager ses outils, ses tableaux Excel ? Alors, c'est... Je vous contacte directement, puis je vous répondrai à ce moment-là. On va faire comme ça. Bon, je répondrai à cette question, prenez contact avec Cycle Up. Et une dernière question, est-ce que les diagnostiqueurs sont formés ? Il existe notamment des formations à destination des opérateurs organisées par le CSTB et Recovering. Oui, alors complètement. Chez Cycle Up, on a un service de formation. Donc, les gens peuvent complètement s'inscrire à la formation diagnostiqueur. Donc, on a une formation diagnostic ressources qui est vraiment orientée au réemploi. Et on a une formation diagnostic PEMD avec le zoom sur le réemploi pour faire le diagnostic ressources à côté. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de cycleup.fr ou nous écrire directement avec Colline. De bons moyens de contacter Cycle Up, effectivement. Merci beaucoup à toutes les quatre. Il est 9h31. Donc merci Camille, Colline, Ajar et Flavie pour le partage de votre retour d'expérience, pour avoir été avec nous si tôt ce matin. Merci à tous ceux qui étaient connectés avec nous pour vos réactions, vos questions. Merci à Morgane, Camille et Pierre d'Ecopolis pour l'organisation de ce premier petit déjeuner technique. Les deux prochaines dates sont le 13 mai pour parler des filières de valorisation des terres excavées et le 17 juin pour parler des outils et méthodes de valorisation des déchets de chantier. Bonne journée à tous. Merci. Merci.